L'infiltration. Un serveur rempli de clans avec en moyenne 20 joueurs minimum par team. 600 pop le premier soir du wipe, et un seul objectif, infiltrer un maximum de clans pour leur voler le plus de loot possible. Et je vais vous le dire dès maintenant, l'émotion et le stress seront au rendez-vous, puisque même mes talents en anglais vont me servir. Karma. Il me parle. John Call. Yes, non, c'est ça. Quand il descend, tu te casses. We're going roaming, Sekiro. Yeah, wait. Attends. Mais ce n'est pas tout. Notre aventure ne s'arrêtait pas qu'aux infiltrations, puisque plusieurs clans vont décider de se venger. Et en parlant de vengeance, les possessèdes qui étaient un ennemi de longue date vont nous retrouver dans les meilleures circonstances. C'est les possessèdes. Faut changer nos pseudos. Et quand je vous parlais d'émotion, je ne vous mentais pas, car même en pleine infiltration, un clan va décider de raid cette team alors que cette base ne nous appartenait même pas. C'est improbable ce qui est en train de se passer. Regardez qu'il y a une mort, je suis en train de tout en bas. Oh, j'ai tout. Oh, j'ai tout. Descends. Les qui sont déjà dans la minute, on sert au KPP, sont déjà dans la minute. Ah non. On arrête vraiment à laisser le mis. C'est fini, frérot. Oh, je suis caché en bas, moi. C'est la minute. Et ne t'inquiète pas, les gars. Elle ne prend pas échelle à descendre. Ils sont à la minute. J'ai qu'à moi vous dire, préparez-vous au spectacle et bonne vidéo. Mais juste avant notre aventure, place au sponsor du jour, Raid Shadow Legends, le jeu que tout le monde connaît avec ses plus de 600 champions et ses duels avec des gens du monde entier. Je vous en avais déjà parlé, et le jeu ne cesse d'apporter des nouveautés, c'est ce qui attire toujours autant de monde. Et en parlant de nouveautés, de tout nouveaux champions ont fait leur apparition, avec chacun leur caractère bien spécial. Je parle bien des elfes noirs, et certains sortent vraiment du lot. J'adore par exemple Zavia avec ses ailes qui rappellent sa faction, et son design enchanté qui la rend vraiment stylée. J'adore ses deux épées qui montrent son agressivité, elle est donc très forte en attaque lors de mes combats. Luria et son long sabre, également très forte en attaque puisque ses compétences lui permettent d'attaquer tous ses ennemis en même temps. Son pouvoir marque de peur est donc très utile. Kill l'empoisonneur de l'équipe. Très résistant mais il permet surtout d'empoisonner les ennemis en combat, ce qui les affaiblit très fortement. C'est donc ces trois champions de la faction Dark Elf que j'aime le plus actuellement. Ce qui me fait le plus kiffer sur le jeu sont toujours les combats en arène ou en donjon. Il me permet de tester les nouvelles compositions d'équipe pour mes futures grosses batailles et ça m'aide énormément. Mes combinaisons me permettent d'ailleurs de changer très régulièrement d'équipe grâce aux plus de 600 champions disponibles sur le jeu. Le boss du clan me hype également car les combats sont plutôt épiques. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre mon clan afin que l'on puisse s'entraider tous ensemble. Je pourrai d'ailleurs vous faire part de ma toute nouvelle équipe. Comme je vous l'ai dit, Raid amène très régulièrement des nouveautés et ce mois-ci des événements spéciaux sont organisés chaque jour ainsi qu'un tas de nouveaux champions géniaux. Mais la grande mise à jour de ce mois, c'est l'anneau de gardien. C'est une fonctionnalité énorme qui vous offre une multitude de nouvelles façons d'utiliser vos champions, y compris un système complet de gardien de faction. Également une nouvelle façon d'obtenir des champions légendaires que vous avez manqué, ce qui vous permettra aussi de mettre vos champions préférés à niveau. C'est une très grande nouveauté qui permettra également au nouveau d'arriver au meilleur moment. C'est donc l'occasion idéale pour tester le jeu. D'ailleurs, si vous êtes un nouveau joueur, vous obtiendrez votre champion épique Shonoru, 200 000 argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique. Vous pourrez avoir un champion incroyable dès que vous entrez dans le jeu. Vous aurez juste à cliquer sur le lien en description ou scanner le QR code. Et je le rappelle, le jeu est multiplateforme. Donc profitez-en, les récompenses sont disponibles pendant les 30 prochains jours. Bonne vidéo. Mon équipe de ninja est prête et le start allait être le meilleur moment pour voler un maximum de ressources aux équipes qui construisent leur base. Nous sommes situés face à un clan français, les VL. Un désavantage puisque nous étions partis dans l'esprit que ce clan était anglais. Non, j'ai un plan. Mais t'as le DB en main, t'as le DB dans ton dos, gros, t'es capté. Moi je reste pas à côté de toi, je m'en bats les couilles. Je quitte la team, Zabda. T'inquiète, je sais comment t'habiller. Oh, y'a un hélico. Y'a le builder à côté de moi. Bute pas, y'a le builder à côté de moi. Je te jure, y'a le builder à côté de moi. Non, arrête. Ils sont en train de build devant. Faut que je tue l'hélico, je me casse avec l'hélico. Hey, it's me. I don't have a Discord. Yeah.
Ok, bah vas-y, mets ton échelle. J'ai un inventaire de pierre. Garde-toi. J'ai deux inventaires de pierre. Okay. Sors pas. Comment je fais pour stacker? Crafter en barricade en pierre. Non, c'est rien, c'est du capier. Tu me casses. Ils sortent pas, ils sortent ou pas? Ouais, ils ont shotgun et tout, ils m'ont tué. Viens, j'ai un bed à côté en vrai, moi. Moi aussi, j'ai un bed, j'y retourne, j'y suis déjà. Attendez, ça commence un peu trop rapidement à mon goût. Notre objectif était de build dans le désert afin d'être le plus proche de la military base. Les missiles pourraient être une de nos tactiques principales d'infiltration. Donc à nous de prendre l'ascendant sur cette zone. Y'a un mec dehors. J'ai une semi. Tronçonneuse me tuer. Il est où? Il est devant moi sur la route 330 ou pas. J'ai pas de flèche 330. Ah, je le vois. Nice. Ah, je le vois. Il me coupe push. Bah attendez, il arrive vers moi. Touché. En vrai, j'ai pas envie d'user mes 5 balles. Hein. Non mais tu t'es Gigo. Gigo, allez, défonce-le. Je le pioche, oh, je le pioche. Par contre, les gars, il est... C'est bon. Putain, vous galérez sur un vieux gars, là. Oh, il est full. Ouais, c'était sûr que c'était full. Bon, je veux bien que vous me releviez, les gars. Oh yes, il avait... Oh, il avait un HP, heureusement, parce que j'ai loupé mes 2 balles. Peut-être qu'on allait se faire des fois, là. Oh, oui. C'est les... Si par exemple, c'est un pseudo random, je sais pas c'est qui. Et toi, Tite. Et tu as encore mort? Faut que tu pêches toi. Hein. Ah non, mort. Il y en a encore un, ils étaient deux. Il où? Ils sont blindés, ils sont ultra blindés. Touché Zabda. Ah non. J'ai ça. C'est les BE. Je me fais arc, les gars, ils sont full. J'arrive. Sur moi. J'ai un piton nice. Il faut venir avec moi. Moi j'ai pas pu jouer sur toi, j'étais full. Hein. Touché encore 3 fois. Hein. Touché encore mort. Vas-y, looter le corps à gauche, il faut qu'on se casse les gars, ils viennent de faire en entier la rade. Oh, il y en a encore un. Semi. Ouais, faut looter la vingtaine. Cassez-vous. Touché encore. C'est pour ça, moi il s'est barré. Vas-y, venez, on dépose ça parce qu'on est vraiment full et on revient. Mais attends, il y a le gars au top du market apparemment à looter. Ah merde. Tu l'as looté derrière ou pas le mec que j'avais tué? Oui, on l'a looté. Okay. Ah, c'est derrière la. Non, c'est vraiment pas nous. Un mec mort. Python. GG. Fais gaffe, il était sur la tour, ils sont plusieurs peut-être. Oui. Un mort, mort. Encore un mort. Ouais, c'est eux encore. Bon, maintenant que l'on a montré qu'on était présent, il allait nous falloir un hélico pour pouvoir infiltrer un maximum de clans. Du coup, on décide de faire un plan bien structuré chez nos voisins VL. Nous ne savions toujours pas qu'ils étaient français, et vous allez voir qu'on va le découvrir en direct. Oh, bien. Quand tu sautes, tu fais pas de bruit, je crois. Ah, mais si, tu fais full bruit, en fait. Bah, courez tous. Joute les fours. T'as vu le mec, hein, semi. Bah, pompe-le. Il est loin déjà, il est dedans. Qui les fours. Il me tient dessus. C'est des Français. Ah, je suis mort. Ouais, je suis mort aussi. Il balague. C'est bon, j'ai jeté un smoke à le Macari. J'ai l'hélico. Non. Oh, le move de 5Q. Petit joueur français. On a 13 de l'eau à la base. Mais non, mais j'en ai 500. Quoi? Descends direct, faut pas qu'on soit sur le toit, faut qu'on se casse. Ouais, parfait. On tente un dip, moi je tente un dip, ok? Je descends, toi fais ce que tu. Comme tu sens. En tout cas, c'est full open, gros. Y'a un shit d'une trappe partout. Vraiment? Ah, ouais, y'a un shit d'une trappe. J'ai caché moi. Y'a où, j'en veux? Y'a dit qui est sur le. Qui est sur. Qui est, ah, il m'a pas cramé, il m'a regardé pendant 5 secondes, il m'a pas cramé. Ah ouais? Je descends tout en bas, moi. Non, moi je reste en haut. Y'a pas de balle. Y'a pas de balle, t'es info sûr ou pas? Les deux en haut, depuis tout à l'heure je passe en dessous. Ok, leurs tourelles sont pas actives. Hein. T'es en bas toi? Je suis tout en bas, mais je peux monter, t'inquiète. Moi je suis caché en fait à un endroit. En fait, il faut quand. Si tu veux qu'on. Non, mais t'es pas obligé d'être caché. Hein. En fait, si on veut ghost,
Il faut passer par en. En bas, c'est mort, il y a full sas. Il y a des tourelles, mais. Ils sont pas actifs. Je fais genre, je m'accepte aux tourelles. Je suis descendu dans la porte. Moi, je fais genre. Je suis dans la main loot. Enfin, dans du loot. Il y a tout plein de bed. Il y a un inventaire de soufre ici. Faut que. Gros, j'ai 3 coffres de soufre. 2 coffres de soufre. Zabda, descends. Oh! Prends tout le loot, essaie de revenir en hélico s'il peut. Putain, il y a leur main loot, mais il y a un shotgun trap. À quelques mètres de leur main loot, mais on ne va pas se décourager. On est repéré et la mission commando est désormais activée. It's me, why? Cours Zabda, cours! Tu vois rien? Je suis descendu. Il y a le builder? What is this? What the fuck, man? It's me, Mario! Il m'a tué. Il y a une hazmat en dessous. Mario. I smoked out the roof, just grow up and actually it's an issue size, mate. Il a dit sérieux, mate. Il sait pas que c'est nous qui avons jeté la smoke. Ah, he's dead, it's okay. Fucking Zabda, robot. Ok, c'est bon, il m'a vu, il m'a rien dit. J'ai dit fucking Zabda Lobot. Non, ça c'est whoever I just took from Oily Rig. Go back to the roof and bring you back. Oh, il a dit ceux qui veulent aller à l'Oily Rig, on y va. We need more boxes, by the way. Whoever's on the box duty. Ta team. Ah, je sais pas s'ils ont rejeté les shotguns. Gros, est-ce que je retente comme la dernière fois ou dès qu'ils viennent de l'Oily Rig, je tue un mec? Et attends, y'a un mec là. Après, ils sont beaucoup sur toi. Can you invite me, man? No? Yeah. Come to the side of me. Gros, je viens de faire les mecs! Regarde mon live! Who wants to go back to water? Yeah. One sec. Wait, it's farmer or not? On oil or no? Yeah. No, it's okay. I'm going to. Boston. Non, c'était capté. Je suis dans leur team maintenant, gros. Ça y est, je suis dans leur team. Non. Mais si, j'ai dit. Mec a dit, y'a pas quelqu'un qui peut venir à l'Oily Rig. C'est moi, j'ai réussi. J'ai tout le soin. Je me commande à manger, genre. Vas-y. Je suis genre de rien. Putain! Bon, les ZK on peut désormais laisser tomber. Un mec de chez eux est clairement au courant de nos tactiques, donc on va se trouver une nouvelle cible. Il faut savoir que les clans progressent très rapidement puisqu'ils sont très nombreux. On a donc peu de temps pour réaliser nos infiltrations. Surtout que le start est la meilleure occasion pour tenter des moves puisque les teams ne disposent pas de tourelles. D'ailleurs, je vous l'avais pas dit, mais au start j'avais été banni serve pour cheat. L'enchaînement de kills n'avait sûrement pas plu au probable plugin du serveur. Mais c'est passé et on va continuer nos infiltrations. T'as fait toi pas voir. Vas-y maintenant. Putain, j'ai raté mon jeu. C'est bon, je le t'ai fait. Et c'est vous dehors? Ah, c'est bon. Ok. Bah, loot vite et casse-toi, gros. J'ai trop soif. Les gars. C'est bon. Tu t'es cassé et tout? Ouais. Yes, let's go. Attends, mais... Ils sont tous groupés, frère. Je te ramener du bois, Hugo, promis. Après, les gars, j'ai une tronçon là sur moi. Non, je vais pas te ramener du bois, en fait. Attends, ouais, je suis chute. J'ai besoin de son main, vraiment. Il est tué.
On va pas en faire monter comme ça. On est en train de tous les démords, hein. Ah ouais? Ok, gros. Il a 3 armes. Milictif, cette team est donc notre cible principale, et vous me connaissez, on ne les lâchera pas. On est encore en tout début de wipe, et on ne peut pas se permettre de s'acharner uniquement sur un clan. On doit donc optimiser notre efficacité. C'est d'ailleurs pour cela qu'une nouvelle base allait être notre cible. Et vous allez me dire c'est scripté, mais sincèrement, je peux vous comprendre. Mais mec, on a déjà une box de métal. À personne. Et genre, faut que je vais filer un peu. Les gars, chut, chut. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Mais gros, j'ai vu, mais c'est quoi ça? Mec, il a dit plus de boss, gros. Des coffres de métal. L'armoire, elle est où? L'armoire, elle était, ouais, dans un carré. Ils sont morts, ils sont morts. Elle est déloc en plus. C'est que je suis dans. Mais Jack, laisse-moi tranquille deux secondes. C'est quoi ça? La vie de ma mère, c'est quoi ça? Non mais gros, c'est quoi? T'as fait quoi? Attends. Mais attends, tout était open. Je l'ai vu rentrer, gros, tout était open. Oh, les dehors hein, qui rentrent pas. Hein. C'est toi, Alexé? Dis-moi si y'a quelqu'un qui rentre, s'il te plaît. Je m'en fous, moi je veux juste du déco. Je veux juste du bois. Et du bois. C'est moi, on est safe. Y'en a un, il doit entrer, on s'est fait insulter là, je reconnais. Ah, de ouf. Les Spades, énième team qui subit notre commando bien spécial. Sincèrement, on est les véritables rats du serveur. Il faut savoir que nous allons être la cible à abattre d'une très grande partie des clans du serveur, mais ça, on va le savoir que dans la suite de notre aventure. Il est actuellement minuit, et nous pensions sincèrement avoir fini la soirée avec ce beau dip d'une base de farm. Mais un événement qu'on n'attendait pas du tout va se produire, et seuls les vrais s'en rappelleront. Descends vite. Ok, je mets le masque, reste avec moi. Descendu. Je suis descendu par les descentes rapides, y'a rien, je dois remonter. Ah, je m'appelle Moha, attends, je mets ton masque. C'est quoi son nom? Ah, c'est qui build. Zabda, t'arrives à voir son nom? Tiens, je te booste. Non, je vais dans le... je vais aller. C'est le Possessed! C'est le Possessed! Faut changer de pseudo. Ah non, ils ont pété une balle. Voilà, Moha qui a pris les Saxon. Yeah, we know that. He's dead. Okay, it's okay. Tout le monde bosse. Oh, il build comme un porc. C'est qu'on peut pas monter. Hein. C'est bon. Je me balade dans le campement depuis tout à l'heure, gauche. C'est bon, Nidia, c'est moi. Ah Zach, je te move des moves pour enlever ton skill. Je l'ai monté. Non mais t'inquiète, c'est bon. Ah oui, vas-y. Ils l'ont remonté. Ouais, ils l'ont monté, je crois, Zabda. Il est mon spot. We're going inside, man. Inside. Marabana. Ok, tu es une ninja? Ouais. Je t'ai vu. C'est moi. There's someone on the roof! Où ce mec? Donc-le. Ok. Un
super, ça a tué une putain d'échelle. GG. T'es où? Je tire au pont. Tu peux pas. Ah, je te vois. C'est toi un ninja? Ah ouais, c'est ça. Deuxième jour la veille, nous nous étions confrontés à beaucoup de clans qui ont désormais qu'un objectif, nous éliminer. Les VL qui étaient nos premières cibles, puis les ZK en enchaînant avec Milktif et Spade pour finalement terminer avec nos ennemis de toujours, les Possessed. Mais tout ça n'avait pas que du positif, puisque se mettre à dos autant de teams n'était pas la meilleure chose à faire, puisque dès la matinée, les choses vont commencer à se corser. Ah. Ils ont C4. Ah, oh. Il y en a 3 That's dehors et 4 sur toi. Ils passent par en haut, par en bas, je sais pas. Ah, ils passent par les portes, Par en haut ou par en bas? En bas. En bas. Porte de devant. On a les pickdown ou pas? Normalement, ouais. Oh, il a fait les pires pickdowns du monde, gros. Ah ouais? Oh mon dieu. Mais gros, je sais pas. Non, il pète en haut, hein. Ils pètent en haut les boys. Non. Clairement. Hein. Ils ont pété le bas aussi, j'ai vu en bas les. Bah attends, je vais te dire. Non, c'est en bas. My bad. Hello, bébé. Un full dead. Venez pick down, les gars, venez pick down. Vas-y. Faut qu'on ait un keep. Deux morts, deux ou trois morts, je saute. Ah, ils sont. C'est qui en. Papa, ici, ok, c'est moi. Ok, vas-y, looter la roquette, je garde la ligne. Non, on y va. Toi, il m'a tué. C'est moi, arrête, les gars, j'ai des roquettes. Vas-y, rentre. Looter les. Il faut looter dehors, les gars. Kika, vas-y, sors, Kika. Tiens, mettez des portes, rajoutez des portes, vous, j'ai jeté au sol. Il y en a un dehors, il vient un coupi. J'ai jeté des armes. Je le bloque, il a un HP, il est dans le sas. Je le bloque, hein. Dans le sas. L'attrape. Il est mort. Jack, prépare j'ai un. J'ai une porte. Ok, attends. Portage cure en plus. Il est mort. C'est bon. Back, motherfucker! Back here! Back here! Incroyable. HZG, je ne connais pas cette team, mais ils vont nous procurer une bonne petite adrénaline dès le matin, donc on peut leur dire merci. Notre base commence à être bien full et était clairement bien plus petite que les autres clans du serveur. On va donc devoir être fort mentalement. Les roquettes récupérées dans le raid étaient un plus et nos autres mates vont commencer à se connecter petit à petit. Comme je vous le disais, nous sommes sur un serveur US, ce qui est un avantage pour nous car le matin, les clans sont quasiment divisés par deux. C'est donc le meilleur moment pour tenter des raids. Et en parlant de ça, Invictus, le seul clan à n'avoir toujours pas de tourelle sur le toit, on va donc en profiter. Il faut savoir que faire des raids sur ce serveur est très compliqué puisque les clans sont très nombreux. Mais on sait que niveau timing, on est parfait. Le seul point négatif, la base est située à quelques mètres des Possessed, ce qui nous avantage pas du tout. Mais tant pis, le scrapelier est prêt et on décide de les top down. On suit Zabda, les gars, go. Je te suis Zabda, je sais pas c'est où. Les roquetteurs, préparez-vous. La roquette là. Ici, ok, les roquetteurs, yeah. on se met tous à un endroit. C'est bon, il manque un roquetteur. Ok, non, go, ici. Les gars, gardez les montées. Hein. J'en ai une pas de dégâts. Hein. Ok, il y a la main loot, on continue de péter. En bas. Il y en a qui ont la deuxième entrée ou pas? Attention, tombez pas, n'avancez pas trop, les gars. On va péter l'électricité, on va tout péter. Ok, je vais incendiaire, continue de péter vers le bas. Naked, il y a un mec, ouais. Est-ce que quelqu'un peut monter en haut? Un qui monte en haut, s'il vous plaît. Il y a Naked dans la loot room. Faut tuer les mecs dans la loot room, hein. Y'a plus Naked dans la. Ouais, pété. Tirez, n'hésitez pas, roquette, les gars. Que je puisse incendier. En gros, ils ont des bêtes dans les pieds. Il faut péter, les gars, péter. Un autre, y'a pas un bridger qui peut descendre ou pas? Allez, j'y vais. Dans la loot room, essaie d'aller dans la loot room. Mais non, mais rien. Ok, dis-nous si c'est la main loot room ou pas. Bah,
y a tous les coffres quand même. Ouais, mais regarde, regarde dans les coffres, il y a du loot. J'ai vu, regarde dans les coffres gun, j'ai vu un gars prendre un AK. Ouais, c'est full, c'est full, c'est full. Ok, go, 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 go. Arrêtez de roquettes, arrêtez de roquettes. Pétez les bêtes, on loot et on se casse. Et montez en, oui, oui, c'est full, c'est la main loot room. Ok, je vais incendiaire. Je m'occupe d'incendiaire un peu tout. Non. Macro. Ah oui, macro, c'est pour le bête, je suis mort. Macro, ouais, t'as. Non. Le macro, c'est un malade mental. Les gars, il faut. Prenez-le, prenez. Les coffres à gaz sont full, c'est où? Faut aller chercher la TC, gun, gun, gun. Non, non, laisse tomber pour la TC. Hélico? Un hélico qui arrive, c'est français, ouais. Hélico qui arrive, les gars, montez, 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 montez. Un mort. Deuxième, il y a un hit. Les gars, il faut monter, il faut monter. Prenez AK explosif, les gars, AK explosif. Faut péter les bêtes dans la main loot, hein. Jacques. Le lolo, important, le lolo, prenez, tuyau métallique ici. Ouais, je les ai. Ok, ils vont se poser les gars, préparez-vous. Attends, mode roquette, attends, mode roquette, vas-y, roquette, go. Je peux pas. Macro, prends ça. Un mort ? Il est mort. Moi je suis full, je remonte. J'ai leur arme. Montez. Ouais, on a plein de minib, faites les transferts. Mais ils sont montés. Un mort. J'en ai tué un. Ne pêchez pas n'importe comment les gars, parce que je vais mettre un double HS. Hein. Par contre, tu sais piloter un mini? Middle, franchement, c'est mieux que tu le pilotes. Mais moi, j'y vais pas, je vais te mettre. Gars, il faut vous casser, il faut vous casser. Essaye. Dans la main. Avance. Là, on revient. J'en suis hein. Moi je peux plus revenir, y'a plus de mini haut. À la base. Ah, j'aurais dû prendre un mini, my bad. Vous avez pas save du staff par hasard? Premier raid et sincèrement, on s'en sort vraiment bien. Comme vous avez pu le voir, les Invictus étaient à LOL Rig, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on a eu autant de facilité à prendre l'ascendant sur le raid, car si le scrap Ellie s'était posé, on n'aurait clairement pas survécu. Mais c'est bénef pour nous, et on a désormais bien trop de loot pour le nombre que l'on est. Mais on va pas s'en plaindre. Pour le moment, nous étions à un raid défense remporté et un raid win. On va donc devoir continuer dans cette lancée. On avait réussi à maintenir l'Olric pendant près de 2 heures, ce qui nous avait mis extrêmement bien en HQ, et Zabda avait terminé la base en à peine 24 heures. Notre loot room amélioré en HQ, on est désormais paré pour la guerre. Enfin, on ne savait pas encore ce qui allait nous arriver. Il est 18 heures, et les clans commencent à être de plus en plus au complet. Le moment pour nous de faire les rats, et de tenter un maximum d'infiltration. Juste. Oh putain, bah c'est ça leur problème. Allez, on prend les tac-tac pour moi, s'il te plaît. Non, mais ça y est. Je peux pas te taper, moi. Mets sur ton stream, Macro, comme ça je peux voir. Non, mais abuse-toi. Non, mais y'a rien de ouf pour le moment. Non, mais attends. Oh, AK quand même. C'est pas les post 7 ça. Les gars, est-ce que je fais comme la dernière fois? J'attends qu'ils viennent de leur room en scrapelli et je les roquette. Ah, non, mais gros, attends, mais je. Oh sa mère. Y'a quoi dans le truc? Tac. Comment se faire capter en 2 secondes? Ouais, si je vais pas les ouvrir. Vas-y, vas-y. Y'avait la stage derrière, hein. Y'avait la stage, hein. Ah ouais? Ah ouais, mais gros. En vrai, y'a fou de charbon, hein. Attends. Y'a que du charbon, sa mère. C'est les gars, on a besoin de charbon, hein. On en a besoin? Ouais, on n'a plus rien. C'est ça, bienvenue. Jack, fais pas de bruit. Faut aller. Ils vont activer les tourelles là. On se fait clairement. Y'a un mec FK, c'est quoi le nom? C'est quoi le nom de cette team? C'est les spades, on est mort, gros, on est mort. Oh mec, ils sont tous là, Jack. C'est là que l'on est, hein. Vas-y, pète vite. C'est là où t'es? Pète les coffres lock, hein. Ouais, non, stoy, hein. Fais bien. Donne la frappe. Ouais. J'ai pas vu. Donne la frappe. Oh! Oh! Quoi? Mais c'est l'armée de nous, c'est pas possible. Quoi, je veux savoir. Oh, mais c'est beau! Oh, mais c'est beau ce qui sort ici! Un avatar de Lolo. Les mecs, pétez les trucs là. Ah, Hermo, Akia, Mets deux trucs là. Y'a rien. Mais c'est fermé à clé. On peut pas tout. J'ai loot, gros. Mais si. Ah, j'ai loot.
Vas-y, bah on prend. Ok, tu peux pas fermer ça. Oh, le tissu, le tissu, la boule. J'ai fermé une box de Lolo et tout, les gars. C'est quoi ça? 21h, l'heure des rooms sur le serveur, et la team NXS comme cible principale. Ils sont plus d'une vingtaine, et vous allez assister à l'une de mes infiltrations les plus stressantes de ma vie. Je sais comment te chauffer, hein. Oh putain, oh putain. Oh putain, moi j'aurais tiré sur... Respecte-moi, NXS, NXS. Doucement, doucement. Fais gaffe, shotgun. Pas nice. Dans les pick down, sûr. Oh, il y a 100% il y a l'heure de trou à côté. NXS, ton gros daron, tu vois. Quel débit. Arrêtez. Vous me faites peur. Attends, c'est un shotgun. Oh, putain, je te montre. À chaque fois, j'angoisse. Il n'y a pas de shotgun trap. Non, mais il n'y a pas de shotgun trap. Oh, il y a une ouverture là. Faut que je prenne les deux. Oh. Ouais, ouais, c'est deux zips. Deux zips. Non, c'est quoi leur boss de mort, quoi. C'est ouais. La, door, la simple door là, t'as tout, mais. Là par exemple, là je pense qu'il y a des trucs dedans. Non, bah non, en dessous, non, je sais pas. Je comprends rien, gros, leur boss. Ici là, ouais, regarde, descend, et c'est la shit door là, il y a tout en fait. Après, ça raid pas loin de notre base. Oh. C'est quoi leur base? Une barre sympa. Oh. Mais bon. Oh. 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 Oh, mais quoi? Non, 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 triste vie. Maman? J'ai crié maman une game. Non. Ok. C'est impossible. Non, ok. Mais gros, t'as vu leur base? C'est impossible de trouver leur main loot, frère. C'est quoi ça? Si, c'est là, gars. Sous la T3, y'a pas les trucs. Ouais. Des seringues, quand c'est des seringues. Ouais. Non. Non, non, c'est pas le kill, abusez pas. Par contre, ça marche. Y'a moins que t'ailles à côté de lui en vrai. Oh, attends, non, y'a bougé. Mais même stuff que lui, gros. Y'a pas l'air d'avoir beaucoup de tourelles. Je suis en train de crafter. Y'a pas l'air d'avoir beaucoup de tourelles. Enfin, c'est pas exactement ça son pseudo. Ouais, viens vers toi. Ouais, bon, fais gaffe, faut juste pas qu'il. C'est bon, il a vu mon pseudo. Yes. Trop bien, gros. Yes. Ça fonctionne vraiment en fait. Attends qu'il se barre, le bar. Ouais, faut qu'il se casse d'ici, frère. Mais je suis en train. En fait, ce qui est bien, c'est que je suis à une T3, regarde. Faut examiner les où il y a des tourelles. Mais il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup dans l'autre main. Mec, il y en a qu'une ou deux. Hein. Tu veux qu'on revienne avec un. Donne un. Chut. Il y a parlé. T'as vu, ils sont même pas tous dans le même channel, gros. Faut qu'ils se cassent et que je regarde où aller leur tourelle. Tout est là, frère. Ah. Oh. Ah, mais c'est des tourelles du dessus. C'est énorme, c'est trop bien. Les gars, j'ai pas le temps. T'es sûr ou quoi? Oh. Non, là t'es cramé là. Ouais, accroupi au milieu. T'es cramé. Dans les vendings, il y a full AK d'office. Oh. Ah, gueule. Les autres vendings ont foutu. Grid. Oh, ah, on s'en bat les couilles, hein? Ouais, on en prend. Non, mais vas-y, prends, mec, après, tu te rebarres. Ouais. Mais how long your death before? Wesh! Oh! Prends! Attends, le tourelle est sur YouTube, je peux tout le jouer comme il veut. Faut que je chope. Boom. Et le HQ prend déjà au cas où? Regarde au-dessus de toi. African, en fait, la GP c'est cramé. Hein. Mets-toi dans un coin. Karma. Il me parle. John Call. Yes, non, c'est ça. Oh, c'est bon, je lui dis yes to second. Mais non. Si. Mec, t'es trop fort.
T'es trop fort, frérot. T'as dit quoi? Je dis yes to second. Second. Il va pas te laisser rester longtemps, il faut que tu prennes un timing de barre. Hein. Du coup, t'inquiète. Je vais me dépêcher. Quand il descend, tu te casses. We're going roaming, so gear up. Yeah, I eat. Wait. Je lui dis je mange, attends. T'as entendu ou pas ce qu'il a dit? Je lui dis oui, il a dit. Mets-toi dit, on va rom. Allez, s'il te plaît, ça passe, dis-moi que ça passe. C'est vrai, il a dit. Qu'il mangeait il... Ouais, je lui dis, ouais. Wait, I eat. Ah, oh, ouais, mec, no, donc, I'm eating. Tu prends le grand, lui là, tu prends le grand, lui. Ah, les hommes. Non, il est enfermé. C'est là, c'est moi, c'est ce qu'il a, c'est bien. Oh mon dieu, c'est le meilleur. C'est le meilleur plaisir de ma vie si je voulais ça. Les coffres, là, y'a quoi? Putain, ce que tu viens de faire, c'est dingue. Ils ont des tourelles ou pas? Ah, elle tourelle on, gros, je peux jamais me casser. Jamais, je fais quoi? Je garde sur moi ou je dépop dans un coin ou je fais quoi? Ah non. Parce que là, je pourrais jamais me casser, les gars. Je pourrais jamais me casser, frère. Y'a quoi dans les venting là? Je dépop dans un coin tout? Bah, je sais pas, gros, en vrai. Non, je fais quoi? Là, tu peux rentrer normalement aux fenêtres là, d'en face. Ouais. Oh, y'a des tourelles, copain? Les gars, vous venez en hélico? Ici? Je vais acheter un hélico, gros. Oh là là, c'est trop. Reste caché. Et tu peux les baiter. Tu peux bait aise les tourelles. Venez, je viens chercher un hélico. Attends qu'il parte, Rome. Bah, en tout il cas, pardon, c'est rentable. Il part. Ah, je te jure, t'as pas il intérêt part. De troll, Maël. Hein. Dis wait to me dans le non, c'est mec, il a pas compris ça. Wait. Prends, tu m'as pas invité. Raven est dans votre loot room. Oh, tu prends le mini Maël, et Maël, il retourne l'autre à l'intérieur. Lui. Il faudrait que vous veniez à deux, les gars. Il en reste, hein. Il reste des mecs. Hein. Oh merde, ils reviennent. Il y a Scarpelli sur notre base, les gars. Quoi? C'est vous? Ah non, c'est Live Arrival. Ouais, c'est Live Arrival, my bad. Gros, j'ai Live à 200%. Oh, ils sont cuits, ces mecs. Oh merde. Ah, c'est Karma Son, c'est pas Karma On. Oh. Ils font quoi? Mec, ils font quoi, j'avoue, gros? Ils font quoi, gros? Ah ouais, pour moi, faut juste un pot qui partait au Rome. Ah, en vrai, nice, Affinity, mais Alvenset, Desert, comme Rod. Oh merde. Oh la chute. Je déplace. Ok, je vois leur scrapelli, je vois pas où c'est, ok. Ah, c'est très bien. Non, moi, je vais me voir en mini. Viens. Descends. Pas de stress, no stress, prends ton temps, prends ton temps. Non, t'inquiète, faut juste pas que je me fasse tourelle. Descends, tranquille, mon petit. Saute pas, Raven, hein. Attends, mec, il a. Let's go! Let's go! Bien joué, j'ai dit. C'est quoi la base? Exfiltration réussie! Oh, ils sont incroyables! Yes! Oh, c'est sûr que c'est encore tôt, frère. On y repart, hein, c'est fou de tout à l'heure. C'est sympa. C'est celle-là, non? Parfait. Fais-moi pas tomber. Mec, c'est parfait. C'est incroyable. Oh, mec, c'est parfait. C'est incroyable. C'était où? Comment on avait fait ça? Ça descend. Non. Les gars, je suis mort de rire. Non, c'était pas comme ça. Faut passer par le milieu. Faut passer par le milieu. Faudrait qu'on soit ensemble, t'es une XS ou quoi? Putain, t'es capté? Derrière toi. C'est bon, c'est là, j'ai le trou. C'est toi là? Oui, c'est moi. Vas-y, je te suis. C'est là. Ils t'ont tiré dessus sur toi? Non, c'est la tourelle qui m'a tiré dessus. Ouais, bah vas-y, je te suis. Y'a un gars. Attendez, il vient de se faire laver, on a eu en Rome. Temporisé. T'es capté. Ouais, mais dégage. C'est mort, bon. Vas-y, bah, je dégage. My guy's dead, he's dead. Pourquoi tu fais ça? Pour bait, j'ai dit que t'étais mort. Okay. C'est mort, frère. Il sait très bien. Je suis pas mort. Oh, tout lâché, je suis pas mort. Non, c'est. My bad. Gros, là en bas, c'est trop simple pour se balader, c'est trop stylé. Bien joué. Attends, de comment ça c'est pas interdit. 3h du matin.
Vous l'avez vu de vos propres yeux, la soirée s'était terminée en beauté, sauf qu'elle était loin d'être terminée pour nous. J'avais déco après l'infiltration des XNS, jusqu'au moment où Gugo me call pour me prévenir qu'une team venait de tenter un raid sur notre base. Grâce à nos tourelles, la team a vite abandonné le raid, puisque Maël et Gugo étaient là pour reboucher. Je décide de ne pas me connecter, sauf qu'à peine 10 minutes après avoir éteint mon PC, Gugo me call comme quoi on se refait raid, sauf qu'il est 5h du matin pour nous, qu'il est seul connecté, et qu'une vingtaine de personnes étaient en train de QM notre base. Mais je décide de me co, même si je connais déjà l'issue du raid. Non, c'est pas fini. Ah oui, mec, mais c'est bon, c'est win. Ils ont touché à l'opposé des batteries, en fait. Okay. Ils sont combien exactement? Bah, ils sont au moins 15 ans. Quoi? Ah, mais non, tu vois, gros. Si tu vas voir, gros, tu sais. En fait, faut juste qu'on aille vacille. Ah, attends, c'est juste un wall. Juste un wall et c'est fini. Ils ont pété où? Ah, juste un wall. Ils ont pété où? Oui, mais viens. Mais après, c'est que je vais avoir. Ils ont du côté AC22. Tu vois, côté de Kikalo, Kikaiko. Les gars, les tourelles sont mortes. Sauf. Ah ouais? Dehors. Dehors. Merde. Oui, en fait, ils sont. Ils sont masses, ils sont masses, ils sont masses. Ah ouais, gros, ils sont masses. Quoi? Ils sont vraiment énormément. Ouais, ils sont vraiment énormément. C'est une giga zerg, hein. What? J'en tue un, mais. J'ai du spawn, hein. En fait, là j'ai masse métal et de pierre, de bois sur moi, si tu consignes. Je pense qu'on peut essayer de des trucs ou pas. Encore un mort. Je pense qu'on peut seal, hein. Je me suis fait shot. Ouais, non, ok. Non, je peux pas descendre en fait. Y'a personne ici. Pour l'instant. Je suis monté. Amar. Il y a des tourelles de la tête. Amar encore. Oh, je me suis fait péter vraiment encore dans le cas. En face de toi, ouais. Ici, là. Dans le coin. Il pique. Il y a la tourelle, là, les tourelles. Je suis aux tourelles. En 2v20, la tâche n'était clairement pas facile. Et comme vous avez pu vous en douter, nous avons perdu ce raid défense. Nous aurions pu tout abandonner, mais nous voulions à tout prix finir sur une note positive, et vous allez voir qu'on a bien fait. Se venger sur ce genre de clan est impossible. Cependant, tenter une infiltration est toujours possible, et ça allait être notre mission avec Zabda. Et sachez qu'en 10 000 heures de jeu, une situation comme celle-ci nous était jamais arrivée. Et vous allez comprendre de quoi je parle. Vraiment. Ok, je vois la roquette. Ici là? Ouais, tout en haut vraiment. Ah, où il y a deux doubles portes. Mais oui, c'est là où t'es mort. Le mec est 96. On y est là. On doit faire quoi? Mais bah en gros, il y a des toiles à péter. Nous, je sais pas en fait, quand on a sauté dedans, on est tous les deux. Moi je suis tombé wounded. On est tous les deux tombés wounded et moi je me suis revive en fait. Et dans les coins qu'il y en a. Attends, j'ai un peu. Tira, c'est là, elle risque de déranger. Vas-y, attends, vas-y, bah essaye de la taper. Elle a pas de balle. Ils arrivent, sur toi. Oh, où ça? Ah ouais. Je sais pas, je vois un trampoline qui vient tout droit sur vous. Non, il va l'opposer non? Il va pas sur vous? Je sais pas, je suis un peu loin hein. Mais si il arrive là, je suis pas fou hein. Oh oui, il nous check. Reste caché. Ouais. Prépare-toi la roquette. Overhead, il bombe. Non, y'a pas le droit. On peut pas. Ils sont, je sais pas ce qu'ils font. Ils sont d'à côté. J'ai plus. Attends, mais ils vont se faire raid là.
Va nous montrer. What? Ils sont où? Ils sont énormément. Ils sont raides, ils sont raides. Mais c'est vrai? Non. David Hamel, c'est quoi ça? Toi sur le toit si tu veux pas crever à ouvrir. Mais non, les défends. Faut péter les tourelles, faut péter les tourelles. Non, pas là. Laissez, mettez dans le chat. F9 raid. On est rentré. Ouais, je suis dans toi. On va. Attends, go tout seul. On voit des trucs. Je suis mort. T'as les trucs ou quoi? Ils sont tellement. Ils sont 1 milliard. Hein. Okay, mais non, on les fight pas, venons, regarde juste. Oh! Regarde. Mais non! C'est parti! On se regarde, c'est pas notre base! Non, mais c'est quoi ce timing? Non, j'ai jamais vu ça de ma vie, frère. Ah, c'est quoi ce truc? Bon, elle est où la main nous, Toshi? Oui, j'ose pas descendre en fait, moi. On a la main nous, Toshi! Mais quoi? T'es descendu? Je suis dans la main nous! J'ai tout! Là, je te merde, j'ai tout! Bah, prenez, montez, personne ne sait. C'est quoi les armes? Ça te même pas, c'est quoi? Oh, ouais, mec, on a tout. Le chichou, il reste à 30. Il me faut les boules. Oh non, je suis une des ramènes d'essence, s'il te plaît. Comment on est, j'ai pas un. Oh, non, je sais. Oh, tu rentres dans les portes. Je cherche. Tu sais qu'on va se faire roquette après un moment. Viens, là, on fait les roquettes, gros. Gros. Ils sont déjà dans la main. Dis-moi, nickel. Dis-moi, allez voir. C'est quoi ça? Mais en gros, y'a pas de boule. C'est un fromage. Dans des cannes morts, je suis dedans, je suis à 30 tout en bas. J'ai tout. Descends. Les qui sont déjà dans la menu, on sert au TPP, c'est déjà dans la menu. Ah non. On arrête vraiment à laisser le whisky. C'est fini, frérot. Je suis caché en bas, moi. C'est la minute. Et nous tous, nous pas les pieds. Elle est quasiment con, hein, y'a pas quoi, elle ne fera pas échelle à descendre. Ils sont dans la minute. Je suis mort. Les gars, je suis en bof, c'est pas si tu m'as. Un clan français qui décide de raid cette team. Il nous fallait un timing incroyable pour qu'une telle situation puisse se produire, et on va en profiter. Ça va vous paraître fou, mais la défense va réussir à rebuild, et si la salle des loot. On décide donc d'y retourner, pour cette fois-ci leur voler un maximum de loot. Oh! Bonjour, monsieur. Attends, ajoute-moi la team. Ok, j'ajoute. J'ai pas envie de te tecler. Y'a 20 mecs sur le top, fais gaffe. Et bon, faut descendre là. Gaga, y'a full AK, regarde. Ah ouais? Je suis hyper bien, moi. Il est mort, le mec qui était sur toi, il est mort. Mais regarde tous les walls, regarde les smokes, regarde les trucs. Ça. Y'a ma snakehead. Salut encore. Là il s'est fait. Moi je suis. Je sais pas pourquoi je fight les mecs en bas. Elle a pas de balle la poubelle, donc d'accord. Oh putain. Y'a moins d'aller looter toutes les AK là. Elle, je crois qu'elle a pas de balle. Tire lui dessus. Tire sur la tourelle. Fais quoi en dessous? Hein? En dessous. Mais ça fâche cul moi maintenant. Oh y'a mec. C'est moi. Ici en face là, sur les bouteilles. Et que je suis pas dans les bouteilles. On est mort. Ah merde. Ah mais c'est. Mais Over t'es bête. Scrappy dit qui. Over c'est posé le pire endroit. Quoi? Bah y'a fait gaffe, une tourelle à côté de toi. Essayez de looter toutes les AK sur toi et barrez-vous. Ouais je sais, j'ai marqué pas ça. Vas-y, là, ça m'a deux. Oh, gros, j'ai tellement d'AK, c'est les frics. Ouais, frics. Ah. Ouais, c'est à foutre. Oh, mais mec, y'a tellement de face mask. Oh, wesh, tout ce cas. T'as la branding en haut. Oh non. Oh, mec, je t'en dessous de moi. Tu peux pas revenir en hélico de. Quelqu'un? Viens. Encore un mort, full chef. Je reviens en mini. Hein. Encore un mort. J'en ai tué, j'en tue plein là. Il rebuild, il referme. Oh j'ai 3 lignes d'AK. Vas-y, on va rentrer. Ok, on va lui faire qu'on va déco. Attends-moi, Zata. Viens vite, gros.
sont tous devant moi. Je peux pas. Je voulais les roquettes, gros, t'as vu ma situation ou pas? Franchement, j'ai voulu, mais je vais me casser avec ce que j'ai, je pense. Ou bien vous venez avec ce que j'ai, vous pouvez pas ramener des roquettes HV? Des vraies roquettes, le temps qu'ils reviennent, on les bombarde, non? Il venait donc de s'en aller en Scrapelli, et ça allait être le meilleur moment pour loot le maximum de choses possibles. Vous le savez désormais tous, les possessèdes ont toujours été nos ennemis numéro 1, et Oshiku ainsi que Mowgli étaient en train de les scout. Nous préparions un plan pour les raids. Ils sont une bonne vingtaine de connectés, et venaient de sortir pour aller raid leurs voisins. C'est donc le meilleur moment pour nous d'intervenir. Nous sommes 4 et ils sont 20, on décide donc de tenter le tout pour le tout pour finir en beauté. Je pensais que c'était en bas. Fais gaffe, j'ai des trucs dans la main loot aussi. On va péter, descendez pas, on va péter de haut. T'es mort, Mowgli? Non. Les gun traps sont sur le sol. Y'a le générateur, on le pète, non? La batterie, ouais. Je la pète à fond. Mais je l'avais roquette. Okay. Non, il y avait des balles et des trucs. Non, pardon. Je suis close, tu peux venir me chercher. Pète. Non, je peux pas, là, y'a le gun trap. Meurs pas, s'il te plaît. C'est moi, elle a pété le truc là. Vas-y, go 4 roquettes, hein. C'est moi qui vais avoir. Ils sont là, hein. C'est moi qui se passe. Go roquette en bas. Mais il va y avoir des quêtes sur leur haut. Je pensais que t'étais mort aussi, quoi. Oh, je suis mort, pas mort. Mais y'a Overnight. Je m'approche, contact à comprendre si j'ai dit Overnight. Là il est la pente, là il est. Bien sûr, il y a une petite gaffe. Vas-y, passe à toi. Si, attends, je colle 2C4, je colle 2C4. Oh, le turn que tu l'as mis, gros. Est-ce que vous avez des HV? Non, bah, gros, tu veux pas descendre avec nous plutôt? Non, reste en haut. J'arrive, on faisait tout. Il me faut un over, il me faut un truc, les gars. Je recule leur électricité, j'ai leur électricité. Ah mais les gars, là nous on peut pas se fight, hein. Peut-être en milieu, on va en face, ouais. En face, ouais. C'est moi qui ai le Beretta. Il y a leur mini en dessous, frère. Il est mort. Les gars, il y a personne. Mais Over, il fait quoi depuis tout à l'heure? On peut pas rocket Zabda, hein. Tu nous Zabda. Vas-y, rocket, je te couvre, je sais pas. Je suis mort. C'est revenu à pied, les gars, c'est revenu à pied dedans. Fais gaffe, ça prend les montées XT. Vas-y, alors j'arrive à faire. Il y a trop de machins, frère. Tu veux entendre un peu? Zabda, je bloque les entrées avec des incendiaires. Là je peux vraiment me bloquer deux entrées. Que deux. Bah, c'est où sur moi? Un mort? Encore un. Je suis mort. C'est impossible, frère. Ça faisait près de 4 mois que je ne vous avais pas proposé une vidéo infiltration. Et j'espère sincèrement qu'elle aura été à la hauteur de vos attentes. Nous avons passé 3 jours incroyables à infiltrer des clans. Et j'espère vous avoir transmis l'émotion que nous avions durant ces missions commando. Bien entendu, cette histoire n'est pas terminée et nous aurons l'occasion de la modifier dans le futur. Mais ça, c'est à vous de jouer. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner. C'était Raven. Ciao.